N'ai jamais fait confiance aux anges. Lorsqu'ils chutent, ils se transforment en démons. D'après le livre que j'ai trouvé chez Dunn, les amoureux du baseball viennent déposer des balles sur la tombe de Bradwick afin de lui rendre hommage. Quatre bases qui gardent leur père. Croix celtique. L'anneau est censé repousser le démon en réfléchissant la lumière du soleil. Super utile à cette heure de la journée. Encore chaud.
J'ai trouvé un gant de baseball dans l'appartement de Jordan. Un gant signé par une véritable légende. Quelle chance, pas vrai? Jordan a rencontré quelqu'un au diner juste à côté de son gymnase. Il a ensuite emmené cette personne chez lui afin qu'elle ne soit plus obligée de squatter dans le cimetière. Jamais je n'aurais été me douter de l'identité de cette personne. J'enquête sur une affaire de corruption sportive. Je crois qu'un nombre considérable de sportifs est impliqué, aussi bien des célébrités actuelles que d'anciennes légendes. Vous ne pouviez pas trouver mieux. Vous êtes qui, vous ? John Blacksad, détective privé. Comment va Joe ? Une question à la fois. C'est à mon tour. À votre tour. Pour quelle raison avez-vous été voir Jordan ? Parce qu'il me cherchait. Parce qu'il était déjà passé un matin, mais que j'étais trop gêné pour descendre de là. Parce qu'il avait laissé une balle. Avec ses initiales près de la pierre tombale. Sam's Diner, demain, 12h30. Parce qu'ils savaient qu'ils veulent me tuer. Qu'attendaient-ils de vous? Et qui cherche à vous tuer? Une question à la fois. Comment va Joe? Que faire dans une telle situation? Lui dire la vérité? Ne risquait-il pas de perdre la tête? Pouvais-je prendre un tel risque? Jordan est mort. Il a été assassiné. Je te l'avais bien dit, Joe. Qu'est-ce qui s'est passé? Une question à la fois. À mon tour. Pour quelle raison avez-vous été voir Jordan? Parce qu'il pensait que le même type qui a bousillé ma carrière était en train de ruiner celle de beaucoup d'autres. Parce qu'il voulait que je lui dise qui avait provoqué mon déclin. Parce que Joe savait que le même type allait s'en prendre à lui. Et parce qu'il avait raison. Notre vieil ami le chirurgien. Michel serait-il le chirurgien? Se pourrait-il qu'il soit la clé de toute cette histoire? Ce chirurgien, s'agit-il... À mon tour. Je veux savoir pourquoi je devrais vous faire confiance. Faites-le pour Jordan, notre ami commun. À mon tour. Ce chirurgien que vous avez mentionné, est-il présent sur cette photo? Aïe! Ah! Ah! Non. Hé, vous y êtes allé un peu fort? Mon oreille et mon amour propre allaient souffrir pendant des jours.
Mais au moins, j'avais une nouvelle piste à suivre. Le chirurgien. Ce salopard avait échappé à ma vigilance en se faisant passer pour un médecin. Mais désormais, tous mes sens étaient en alerte. Aussi bien déguisé ou aussi bien caché qu'il puisse être, j'allais le retrouver. Donc, si je résume ton histoire, hein, il y a une affaire de corruption dans laquelle tout un tas de sportifs est impliqué. 2. Notre marionnettiste est un certain Mitchell, un chirurgien qui a fait la guerre avec Don. C'est ça ? Toutes les pistes que j'ai pu trouver mènent à Mitchell. Bref, j'en étais où ? Au 3, c'est ça ? 3. Vu que Don était sur ses traces, Mitchell a engagé un fourmilier pour se débarrasser de lui. Ensuite, étant donné que tu étais toi-même en train de fourrer ton museau là où il faut pas, notre bonhomme s'en est pris à toi. Mais le fourmilier a commis une erreur, et Mitchell l'a buté pour effacer ses traces. Et... 4. La clé de cette histoire est entre les mains d'un ami commun de Don et de Mitchell, Monsieur Craig Spano. Tu lui fais vraiment confiance ? Je pense que ce qu'il dit était vrai. Ça colle. Et ça confirme tout ce que j'ai découvert jusqu'à présent. 5. Don a été assassiné 4 jours après avoir accueilli Spano chez lui. Si ça ne fait pas de lui un suspect, franchement... Ça se tient, non ? Non, ça tient pas la route. Bah, pourquoi ? Je le sens pas. Voyons un peu les différents suspects. T'as dit à Smirnov que t'étais convaincu de l'innocence de Yel. Mais... Et O'Leary, alors ? 6. Non, je connais O'Leary. Il n'aurait pas envoyé un tueur à gage. Il est plutôt du genre à régler ses choses personnellement. Bon. Et Cassidy, alors ? On est à 7, c'est ça ? Je pense pouvoir exclure Cassidy de la liste des suspects du meurtre de Don. Il m'a l'air bien trop impulsif pour avoir planifié un crime aussi élaboré. Celui qui a manigancé tout ça savait pertinemment que la théorie du suicide ne tiendrait pas la route. Donc il a manipulé les preuves afin d'incriminer Yel. Cassidy est trop impulsif pour avoir mis au point un plan aussi élaboré. Ouais, t'as raison. C'est Mitchell qui tire les ficelles. Et tu sais pourquoi ? Parce que dans les romans, l'assassin est toujours quelqu'un que le détective connaît depuis le début. Dans un roman anglais, peut-être. Ceux du genre où tous les suspects sont présents dès le début sur le lieu du crime. Mais là, nous avons probablement affaire à un roman américain, dans lequel le détective ne rencontre le coupable qu'à la dernière scène. Quoi ? Tu crois qu'on ne sait toujours pas qui tire les ficelles ? J'ai pas dit ça. Qu'est-ce que ça a donné avec Alan Moore ? Bah, j'ai rien eu du tout. Pourtant, ça avait plutôt bien commencé. Je lui ai demandé une double interview avec son petit ami, Al Stone. Vu que je ne suis pas n'importe qui, ils se sont fait un plaisir d'accepter. Parfait. À présent, passons aux questions. Je vais alterner entre vous deux. Ça vous évitera de trop vous ennuyer. Alors, par qui on commence ? Une question pour Hélène. Pouvez-vous nous révéler combien vous versent Champions pour que vous les représentiez ? Oh, mais bien sûr, mon chou ! Ils me payent bien plus que ce que je leur aurais demandé. En fait, les Champions sont tellement délicieux que j'aurais pu le faire gratuitement. Cela répond-il à votre question ? Non. Allons, allons. Nous savons tous les deux que si. Bon, alors... Une question pour Al. Dans tout juste 12 jours, un challenger va tenter de vous ravir votre ceinture. Vous sentez-vous d'attaque pour votre combat contre Yel ? Ouais. Mon Al chéri va botter les fesses de cette petite frappe. Pas vraiment, ange. Ouais, enfin... On verra.
Aucun adversaire n'est à prendre à la légère, et... Allons, allons, tu es et tu resteras champion du monde. Question suivante. On continue. Celle-là, elle est pour tous les deux. Comment vous êtes-vous rencontrés? C'était lors d'une fête organisée par des... Al, on se fiche de savoir qui avait organisé cette fête. La seule chose qui compte, c'est que je t'ai vu et que tu m'as vu. Nos chemins se sont croisés et nos vies en ont été changées à jamais. Alors, Hélène. Sortir avec un boxeur, ça peut être dangereux. Ne craignez-vous pas que tous ces coups à la tête ne finissent par détériorer ses capacités intellectuelles? Mon chou, jetez un coup d'œil à mon homme, puis regardez-vous dans le miroir. Croyez-vous vraiment que je sois avec lui pour ses capacités intellectuelles? Hélène! Mais je plaisante. Écrivez ça dans votre article. Rien ne changera jamais mon homme. Son intelligence, son intégrité et sa virilité sont véritablement à toute épreuve. Ok, encore une petite question, et je... Oh. Al, chérie, je te laisse répondre. Je dois aller dire bonjour à un admirateur. Je reviens tout de suite, monsieur Pulitzer. Attends. Elle a soudainement arrêté de sourire lorsque cet admirateur s'est pointé. Ouais. Tu pourrais me le décrire? Je pourrais même... te le montrer dès que j'aurai développé ces photos. Ah, moi aussi, ça m'a paru bizarre. Donc, tout en continuant à interviewer Stone, je me suis arrangé pour prendre discrètement des photos de Moore et de son mystérieux admirateur. Bon, où en étions-nous? Vous devez partager votre petit ami avec l'Amérique tout entière. Cela ne vous rend-il pas un peu jaloux? J'irai pas jusqu'à parler de jalousie. Mais je sais qu'une personne aussi populaire et aussi honnête peut facilement... faire des envieux. Il y a des tas de gens qui seraient prêts à n'importe quoi pour mettre un terme à sa carrière. C'est pas toujours facile à gérer. Bon, prenons cette photo. Tournez-vous et montrez-moi ces biceps de derrière. Comme ça? Oh, c'est parfait! Zut! Attendez, j'ai bougé! Restez comme ça, j'en prends une autre. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Bougez surtout pas, s'il vous plaît! Voilà, c'est bon. On reprend? Votre manager est Frank Cassidy, président du syndicat des managers de boxe de New York. D'après lui, seuls les boxeurs représentés par un manager membre du syndicat devraient avoir le droit de participer aux compétitions. Qu'en pensez-vous? Cassidy est un super manager, ça c'est clair. J'ai rien à redire de ce côté. Et son travail en tant que président du syndicat est tout à fait remarquable. Mais... je sais pas... sur ce coup, peut-être que Joe Dunn avait raison. Attendez, non. Pourriez-vous éviter de garder la fin de ma réponse? Je serai muet comme une tombe. Je vais en prendre une autre, ok? Alors, que pensez-vous de ça? Fermez les yeux et posez votre menton sur votre poing. Le boxeur-penseur. Comme ça? Oh, magnifique! Mais je fais n'importe quoi. Bougez pas, je la refais.
J'ai vraiment besoin de vacances, moi. On ne bouge pas. Eh ben, dis donc. Enfin, je crois qu'on est bon. Attends. Tu veux dire que les photos sont enfin développées, ou c'est ce que tu as dit à Stone? Ah, les deux! Regarde. Franchement, on dirait qu'un seul de ces biceps pèse plus lourd que moi. Chez toi, ce qu'il y a de plus lourd, c'est la langue. Je suis mort de rire à l'intérieur. Franchement, on dirait qu'un seul de ces biceps pèse plus lourd que moi. Chez toi, ce qu'il y a de plus lourd, c'est la langue. Je suis mort de rire à l'intérieur. C'est qui ce type? Ce que je sais, c'est que c'est sûrement pas un admirateur. T'aurais dû voir sa tête quand elle l'a vu débarquer. Le boxeur penseur, le boxeur poète. La boxe est peut-être en train de devenir un sport d'intellectuel. C'est une belle photo, mais elle ne reflète pas la vérité. Hein? Y a pas de trucage, pourtant. Stone n'est pas aussi fort qu'il en a l'air, et Moore n'a certainement pas besoin qu'on la soutienne. Regarde sa main. Est-il en train de prendre quelque chose dans le sac de Moore? Ou bien d'y mettre quelque chose. J'ai déjà vu cette boîte d'allumettes. Minute, c'est lui. Qui ça? Mitchell, le chirurgien. Ah bon? Ah, on le tient! Pas encore. Ah ouais. Faudrait encore savoir où le trouver. Ah, eh ben, tu m'écoutes? On doit continuer à examiner ces photos. Il nous faut un indice qui nous conduira à Mitchell. Oh. Ah, ben tu vois, c'est bien ce que je disais. Les bagarres, ce n'est pas ce qu'il y a de pire dans ce boulot. Alors oui, il peut arriver qu'on se fasse arranger le portrait, mais on peut toujours essayer de se défendre. Mais quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Les crampes dans les jambes, le dos et la nuque raidis, le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose. C'est fastidieux. Et rasoir. Les habitués s'étaient enfin décidés à évacuer les lieux. Le bar était sur le point de fermer. Et je n'avais vu Mitchell ni entrer, ni sortir. Je n'avais plus le choix. Je vois que vous avez accepté mon invitation. Et vous avez fait preuve de jugeote. Vous avez attendu que mes habitués allergiques aux poilus soient rentrés chez eux. Un bon conseil ne se refuse pas. Ni un bon bourbon. À votre santé, monsieur. C'était comment, déjà? À ce que je sache, la Iguana avait toujours été un terrain neutre. Polly jouait au poker avec Cassidy, mais son bar servait aussi de point de dépôt pour les paris gérés par O'Leary. Y avait-il un réel intérêt à continuer de faire semblant?
Ou bien était-il trop dangereux de cesser de le faire? Blackmore. John Ash Blackmore. J'en étais sûr, même si votre accent texan était plutôt convaincant. Disons que je représente certains lobbies sportifs dont je préférerais éviter de parler. Je comprends. Enchanté, monsieur Blackmore. Vous êtes doué, encore plus que pour le poker. Ça, c'est quand même plus facile. Pas besoin de tricher. Vous avez à peine scié quand Cassidy a décidé de donner une bonne leçon à l'autre emplumé. Que voulez-vous que je vous dise? Entre nous, c'était loin d'être mon premier bal. Des barbiers psychopathes, on en a tous un sous la main. Personne n'est parfait. Dites-moi, juste entre nous, qu'est-ce que vous attendez vraiment de Cassidy? J'ai beau chercher, vos motivations m'échappent. Vous connaissez le principe des dénicheurs? Ces types qui vont assister au match des ligues mineures dans l'espoir d'y découvrir de jeunes talents? C'est un peu ce que j'étais venu faire dans votre partie de poker. Mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Vous en faites pas, c'était juste de la curiosité. Et pour ce qui est de moi, qu'attendez-vous de moi? Personne ne vient au La Iguana juste pour boire et jouer au billard. Je suis à la recherche de l'un de vos habitués, le docteur Angus Mitchell. Pourquoi donc? Les flics sont après lui. J'aimerais le prévenir. Ouais. Eh ben écoutez, je vais en parler à Mitchell. Repassez donc demain soir. Vous ne comprenez pas. Je dois lui parler, sinon... Sinon quoi? J'ai des amis haut placés. Des amis dont vous n'aimeriez vraiment pas faire la connaissance. Ah, parce que vous croyez peut-être que moi j'en ai pas? Vous pensez vraiment que ce boui-boui pourrait rester ouvert autrement? Arrêtez vos conneries, je vous en prie. Et quoi d'autre? Vous allez passer à côté d'une occasion de vous en mettre plein les poches. Je sais récompenser ceux qui me viennent en aide. Vous croyez vraiment que je passerais tout mon temps dans ce bouge si je m'intéressais qu'à l'argent? Arrêtez vos conneries, je vous en prie. Je suis désolé de vous dire ça, mais vous commencez à manquer d'options. Je ne pense pas que M. Cassidy apprécierait de découvrir que son camarade de poker joue un tel rôle dans les affaires de M. O'Leary. Vous voyez ce que je veux dire? Quel bel enfoiré! C'est d'accord. Laissez-moi votre numéro et je vous appellerai quand Mitchell se pointera. Non. Vous allez l'appeler tout de suite et lui transmettre un message. Quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Les crampes dans les jambes, le dos et la nuque raidis, le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose. C'est fastidieux et rasoir. On en arrive à se perdre dans une spirale infernale de ses propres pensées. Comme quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture. Le propriétaire du La Iguana était censé dire à Mitchell qu'un certain fourmilier était encore en vie. Et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne le balance. Avec un peu de chance, la chose allait le rendre suffisamment nerveux pour le pousser à l'erreur. Il ne me resterait plus alors qu'à le suivre.